Moi, c'est Sabrina, j'ai 49 ans et je vous présente Toffy, notre mascotte. Fred, 55 ans. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette chaîne YouTube toute nouvelle. Je ne vais pas dire toute nouvelle puisque après, ça sera toute nouvelle. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pourquoi cette chaîne ? Pour vous parler en fait d'une construction alternative, c'est-à-dire une construction qui va être autonome, type Earthship. Donc si tu veux nous expliquer un petit peu plus notre projet en fait. Alors avant tout, le pouce hein, et abonnez-vous tout de suite, comme ça c'est fait. Il y aura une suite de vidéos, ouais, bien ouais, sûr. Il y a plein de choses. Alors le Earthship, qu'est-ce que c'est ? Earthship, en français, c'est vaisseau de la Terre. Vaisseau de la Terre, en fait, c'est sur cette base-là, ça a été créé par une personne qui est aux États-Unis dans les années 70 et c'est une alternative à toutes nos constructions aujourd'hui. On va construire avec la récupération de certains matériels de consommation courante, de grande consommation d'ailleurs. Vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va monter cette construction. Aussi, le principe, c'est d'être autonome, de ne plus utiliser l'eau que l'on connaît, l'électricité d'où elle vient. Le chauffage. Le chauffage, oui, autonome en chauffage aussi. Et l'alimentation. Et l'alimentation. Alors tu parlais de matériaux, on va en citer quelques-uns. Donc on va citer le verre. On va utiliser beaucoup de verre en fait pour l'isolation du sol. Vous verrez, on fera une vidéo pour ça aussi. On va utiliser aussi de la récupération donc de pneus. Le Earthship s'est fait à base de pneus, de récupération. Donc on recycle en fait des pneus. On va utiliser aussi des matériaux naturels, comme le chanvre pour l'isolation. On va utiliser aussi le bois. Les murs, il n'y aura pas de peinture, ce sera du torchis en fait. Ouais, hein, ouais, tout ça. C'est de la terre crue. Voilà un petit peu l'objectif de cette construction. Donc au fil du temps, on va faire des petites vidéos. Ça va vous permettre de voir un petit peu les étapes de cette construction. Et puis bien sûr, il y aura aussi des gens qu'on va vous présenter qui vont venir sur le chantier. On fera des petites vidéos aussi pour que vous les connaissiez mieux. Ils vont parler d'eux. Et puis vous pourrez bien sûr les contacter parce que c'est un projet qui se fait à plusieurs. Construire comme ça, en fait, aujourd'hui, il y en a 4 en France. On sera peut-être le 5e. On va vous expliquer un petit peu toute l'évolution en fait de cette construction. Alors, juste derrière, on a commencé. Ça va être la base des fondations. Ces pneus-là vont être remplis d'un matériau qui s'appelle... c'est du granulat de verre, c'est du verre qui est recyclé, qui est chauffé à 1200 degrés, qui va faire plein de petites bulles, qui est concassé après. Et en fait, toutes ces petites bulles emprisonnées vont former un isolant. Il y aura à peu près 27 cm de hauteur de cet isolant. Bon, j'en dis pas plus que ça, mais... On fera une vidéo pour expliquer tout ça. Alors, on a préparé le terrain parce qu'on a 5000 m² de terrain et on l'a déjà... on a commencé à le boiser avec des essences, en fait, comestibles. Voilà, on va essayer de reproduire une mini forêt comestible. Donc, tout ce qu'il y a dans la nature, que ce soit des fruits secs ou des fruits qu'on connaît tous, hein, pommes, poires, kiwis, pêches, abricots, etc. Mais il y a aussi beaucoup de fruits qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est, par exemple, qu'on n'utilise pas, qu'on ne mange pas. Si on a fait une haie de 300 arbustes, dans lesquels il y a bien sûr l'aronia, des baies qui se mangent, et puis aussi le sureau qu'on connaît plus, dont on peut préparer plein de choses. Ça sera aussi la suite des petites vidéos. On vous montrera aussi comment on utilise en fait tout ce qu'on a à notre portée. Ouais, aussi. Matériaux donc, à disposition. Ça fera partie en fait de cette chaîne. Voilà comment on fait une maison autonome et comment on peut vivre en autonomie et non en autarcie, bien sûr, parce que c'est toujours bien de travailler avec plusieurs personnes et puis d'avoir des amis qui font aussi des choses et puis on partage en fait. Et ça, c'est important parce que l'autarcie, c'est tout seul et donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça craint tout seul. Ça craint. Le mieux, c'est de s'entraider et voilà, ça c'est l'idéal. J'espère que vous allez être nombreux à nous suivre et puis vous allez pouvoir venir sur notre chantier aussi. Donc on va être sur un site qui s'appelle twiza.org. Oui. Voilà, et donc ce site, ça permet... C'est des chantiers qui sont participatifs, en fait. Il y a plein de chantiers qui sont en France, qui sont répertoriés. Et les gens qui ont besoin de main-d'œuvre ou les gens qui veulent se former aussi à certaines techniques, par exemple à la pose de pneus, il y en a 1200 à poser, alors n'hésitez pas, venez. Ce genre de choses que Twiza organise, ils postent en fait votre projet et vous cliquez dessus pour vous connecter. Les personnes vous contactent après, font connaissance avec vous et puis après, ça matche ou ça matche pas. On aura nous-mêmes notre planning parce qu'on travaille à côté et donc il va falloir s'organiser.
on aura des personnes qui seront tout le temps là, tous les jours sur les chantiers. Et donc, les personnes qui voudront venir, il faudra qu'on se contacte et voir un petit peu quelles sont les possibilités d'échange, de partage, etc. De logement, toute l'intendance qui se trouve à côté aussi. Je pense que c'est bien pour une première vidéo, pour vous expliquer un petit peu notre projet. Et puis, à bientôt pour la suite. Bye bye.